Quand les organisateurs de cette TEDx m'ont appelé pour m'inviter, ils m'ont dit que le thème c'était les connexions. Donc j'ai raccroché et je me suis dit, mais oui, je suis allé dans des hôtels où il n'y avait pas de Wi-Fi, je suis allé dans des zones où mon téléphone captait mal, voire pas du tout, mais je ne vais pas avoir grand-chose à dire, je ne vais pas tenir tout un speech devant vous. Et puis finalement, j'ai appris que c'était les connexions interpersonnelles, humaines, plus générales. Et donc là, je me suis dit, en fait, oui, c'est exactement ça mon métier. Journaliste, c'est connecter l'audience, le grand public, via son média, avec les gens qu'on rencontre, avec nos sources et avec les infos. Il y a un journaliste qui est décédé, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Rémi Kolpakopoul, et qui lui se décrivait comme connexionneur. Bonjour, je m'appelle Benoît Chaumont, je suis journaliste, j'ai 40 ans, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Et ces dernières années, j'ai fait une série de reportages qui s'appelle le Dictature Tour. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'idée, c'était de faire le tour des pays les plus fermés au monde, les plus déconnectés. En tout, j'en ai fait une douzaine. Et évidemment, en termes de dictature, la meilleure ou la pire, évidemment, c'est toujours la Corée du Nord. Le problème, quand on veut faire un reportage en Corée du Nord, c'est que il faut y aller. Et pour ça, il y a quelques journalistes ces dernières années qui ont réussi à y aller en montrant patte blanche, qui sont soigneusement triés sur le volet par le régime, qui vont couvrir des cérémonies ou des défilés militaires. Mais moi, ça n'aurait pas pu marcher parce que ça faisait déjà un an que je faisais le Dictature Tour. Et donc, quand on tapait mon nom sur Google, on tombait directement sur Benoît Chaumont, Dictature Tour. Donc, je pense qu'ils n'auraient pas aimé et ils ne m'auraient pas invité. Il y a un autre moyen d'y aller, donc, c'est en touriste. Parce que c'est possible, il y a quelques agences de voyage, notamment chinoises, qui proposent de faire des tours en Corée du Nord. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, que j'allais y aller en touriste. Mais quand vous inscrivez sur le site de l'agence de voyage, la première question qu'ils vous posent, c'est est-ce que vous êtes journaliste ou photoreporter ? Donc là, j'ai dû mentir, et je leur ai dit que j'étais cuisinier à domicile. Et je me suis même créé un faux site de cuisinier à domicile, enfin c'est pas moi, on m'a aidé à le faire, je sais pas faire ça. Mais avec ma photo, déguisée en cuisinier, et on a payé pour référencer le site pour qu'il arrive en tête. Quand vous, là, pour le coup, tapiez mon nom sur Google, vous tombiez sur Benoît Chaumont, cuisinier à domicile. Donc comme ça, j'étais plus crédible pour pouvoir m'inscrire. Et puis au cas où, sur place, si jamais ils avaient des doutes, je leur aurais montré le site de cuisinier à domicile. Et ça a tellement bien marché que j'ai même eu des demandes de devis sur le site. Donc bon, j'ai pu y aller. Mais l'histoire qui, à mon avis, montre le plus l'impossibilité de se connecter aux Nord-Coréens, je n'ai pas pu la filmer parce qu'on a beaucoup filmé nos vacances, notre tournage, mais on n'a pas pu tout filmer, quoi. Et on était accompagné par des guides, enfin plutôt surveillé par des guides pendant toutes nos vacances. Et un soir, enfin ces deux guides, donc, elles sont, comme 99% des Nord-Coréens, elles ne sont jamais sorties du pays. Mais elles ont eu le privilège d'apprendre l'anglais. Et en fait, quand on y pense, elles font partie des rares Nord-Coréens qui sont en contact avec le monde extérieur, puisqu'elles voient toute la journée des touristes étrangers. Et un soir, on buvait un verre avec elles, et il y en a une qui, curieuse, nous pose des questions sur Obama. Elle voulait en savoir plus. Et là, l'autre qui était à côté la fusille du regard et lui demande d'arrêter de poser des questions, quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était interdit pour elle de poser des questions sur ce qui se passait à l'extérieur. Et là, j'ai compris surtout la puissance de la dictature. Il y a une autre série de reportages que j'ai réalisé pour Canal+, qui s'appelle « Fuck le système ». Donc toujours avec des gens déconnectés, puisque « Fuck le système », c'était des immersions dans des communautés qui vivent en marge de la société, qui vivent en dehors du monde moderne, quoi. Et là, le reportage qui m'a le plus marqué, c'était chez les Mennonites. Les Mennonites, ce sont les cousins germains des Amish, mais en version beaucoup plus hardcore, quoi. Donc ça donne la petite maison dans la prairie mixée avec Délivrance. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront. Les Mennonites, ils vivent en vase clos, et pour des raisons religieuses, ils refusent le progrès et la modernité. Et donc ils vivent entre eux. Les Mennonites parlent une langue qui n'existe plus, qui s'appelle le bas-allemand. Mais même leur bas-allemand, en fait, il existe encore moins, puisque quand je suis rentré, j'ai voulu faire traduire les échanges des Mennonites que j'avais rencontrés, qui parlaient entre eux, donc, pour savoir ce qu'ils se disaient. Et j'ai appelé l'Institut Goethe, j'ai trouvé un traducteur de bas-allemand qui n'était pas débordé, et qui je lui ai envoyé mes enregistrements, il a écouté, et en fait, il ne comprenait pas, quoi.
ils sont tellement restés entre eux en Bolivie, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc c'est des mennonites qui habitent en Bolivie. Hein. Et ils sont tellement restés entre eux que leur langue a muté et cette traductrice ne comprenait pas, quoi. Chez les mennonites, donc, on roule en calèche. Parce qu'on n'a pas le droit à la modernité, sauf, il y a une entorse, c'est le tracteur. Ils ont des tracteurs pour travailler dans les champs, mais leur tracteur à eux, ils n'ont pas des pneus, les tracteurs, mais des roues avec des lames en acier pour éviter au tracteur de sortir de la colonie, pour pas que les jeunes, en fait, s'échappent et puissent... Le tracteur ne peut aller que sur des petites routes et pas sur les chemins à l'extérieur. Donc, voilà, donc vous avez compris, bah, allemand plus les tracteurs, donc c'est quasiment impossible de sortir, quoi. C'est une petite dictature. Et alors pour moi, c'était absolument génial comme tournage quand même, parce que c'était un voyage dans le temps, un siècle en arrière, mais ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que pour eux, on est des extraterrestres, quoi. Et ça se remarque surtout dans le regard des enfants. Les enfants qui découvrent pour la première fois une caméra, qui voient des gens habillés différemment, qui entendent une langue qu'ils ne connaissent pas. Et les enfants mennonites n'ont pas le sourire, parce que les jouets sont interdits chez les mennonites. L'amusement, en fait, c'est un péché, donc faut pas s'amuser là-bas. Sauf chez Jacob. Jacob, c'est un mennonite que j'ai croisé un peu par hasard, à l'extérieur de la colonie, ils appellent ça une colonie. Donc ça se fait plusieurs dizaines d'hectares, il y a des enclos, il y a une sortie, et à l'extérieur de la colonie, il y a une buvette donc, tenue par des Boliviens, et une petite supérette, quoi. Et là, on était en train de boire un verre avec mes collègues, et on tombe sur un mennonite qui achète une bouteille de whisky. En loose day, quoi. Évidemment, c'est interdit l'alcool là-bas. Et ça donne envie. Moi, je me dis, il faut absolument que je le rencontre, qu'on en sache un peu plus. Et Jacob, le lendemain, il nous invite chez lui. On y va le lendemain, on arrive à 11h. Jacob venait de se lever, avait une grosse gueule de bois. Et chez Jacob, il y avait des jouets. En fait, Jacob, c'était le rebelle du village, quoi. Et ses enfants étaient hyper cool. Voilà, ils avaient une petite trottinette et tout, c'était sympa. Jacob, il avait même un appareil photo caché sous son lit. Mais les albums de souvenirs chez Jacob ne sont pas comme chez nous, parce qu'il me les a montrés. Et donc, très vite, je tombe sur sa collection de photos d'accidents de calèche, accidents de la route, de mennonites défigurés, ou même de petits mennonites qui naissent mal formés. Parce que vu qu'ils vivent en vase clos, il n'y a pas de mélange et ils se marient très souvent entre cousins. Et ça, génétiquement, ce n'est pas super. Et Jacob, on sentait bien quand même que... Qui voulait partir de la communauté, mais en fait, il ne pouvait pas, il était coincé, quoi, parce qu'il était né là, il parlait un petit peu espagnol, hein, mais pas suffisamment pour pouvoir partir. Et d'ailleurs, en Bolivie, il y a même des programmes de réinsertion pour ces mennonites qui sont soit chassés ou soit qui décident de fuir leur communauté. Je suis allé aussi dans des communautés où les gens, a priori, avaient choisi de s'extraire du monde. Mais pour autant, j'ai remarqué à chaque fois un point commun, c'est le besoin de faire échapper son esprit ou ses pensées à un moment ou à un autre. Et Jacob, vous l'avez vu, hein, lui c'était l'alcool, c'est l'ivresse en fait lui permettait de s'enfuir un peu. Mais je suis également allé dans une communauté, enfin, sur la péninsule du Mont Athos, où là sont reclus près d'un millier de moines orthodoxes. Et eux, en fait, leur moyen de s'échapper, ils sont vraiment entre eux, ils ne sortent pas. Hein. C'est la prière, en fait. Ils prient 5 fois par jour et c'est le moment où ils peuvent s'échapper de ce quotidien très austère. Je suis allé également chez les Rastas en Jamaïque, mais les vrais Rastas, c'est-à-dire ceux qui vivent en dehors du système, dans les montagnes au-dessus de Kingston. Eux, ça vous le savez, mais les Rastas adorent fumer des joints. Sauf qu'ils ont une bonne excuse parce que c'est pour se connecter à Jah, leur Dieu, le Tout-Puissant. Et pour finir, je suis allé aussi dans une communauté qui s'appelle Slap City aux États-Unis. C'est dans le désert californien. Et là, c'est les perdus de l'Amérique. En fait, c'est Mad Max en plein désert. Et eux, c'est tout ça réuni. C'est l'alcool, c'est les joints, c'est la prière, parce qu'il y a une messe tous les dimanches. Mais c'est aussi LSD, méthamphétamine. Il y a quand même un point commun qui est plus positif que j'ai remarqué. C'est que la plupart de ces communautés, elles sont ultra connectées avec la nature. Elles sont super écolos. Vu qu'ils vivent en autarcie, ils doivent vivre en autosuffisance. Donc, en fait, ils mangent que ce qu'ils cultivent à côté de chez eux. Donc ça, c'est super, parce qu'il y a zéro émission de gaz à effet de serre. Et puis également, ils n'ont pas de produits de pesticides, donc tout est bio. Et la plupart sont végétariens. Alors, les moines du Mont Athos, il y a un moine qui m'avait expliqué pourquoi il était végétarien. Il m'a dit que, parce que quand il mangeait de la viande, il était trop vigoureux et il sécrétait trop de sperme.
Donc, ils préfèrent éviter, quoi. Donc, en tout, pour cette série, ces deux séries-là, j'ai fait une vingtaine de pays. Et dans ma carrière, j'ai dû faire une cinquantaine de destinations. Mais je vais vous faire une confidence. J'aime pas voyager. J'aime pas voyager parce que je pense avoir de l'empathie pour les gens que je rencontre. J'aime pas voyager dans les endroits, dans les pays où ça va mal, où les gens souffrent. Et l'empathie, en fait, quand on y pense, c'est une connexion. Et c'est d'ailleurs ce qui vous permet d'avoir une connexion sincère avec les gens, enfin la plus sincère possible avec les gens que vous rencontrez. Et je pense surtout que l'empathie, ça doit être la première qualité pour un journaliste. Merci.